Gajmat. Les titres du journal de Trigavou Télé avec, à la une, évidemment, les évanouissements qui terrorisent le territoire depuis bientôt 3 mois. Même si le gouvernement se veut rassurant, la liste des produits susceptibles d'être vecteurs ne cesse de s'allonger. L'inquiétude grandit. Tout de suite, le ministre de la Sécurité et Tranquillité publique en direct de Perros Direct. Eh, monsieur le ministre, il y a un problème technique, c'est les aléas du direct, hein. Il y a toujours des petits soucis. Le ministre donc qui a fait beaucoup de rencontres aujourd'hui dans la ville de Perros Direct, qui lui-même a rencontré d'autres ministres, voilà. On me dit qu'il n'y a plus de problème technique. Tout de suite, le ministre de la Tranquillité publique en direct de Perros Direct. En direct de Perros Direct. Je vous écoute. Bonsoir Monsieur le Ministre. Premièrement, première question. Tout d'abord, pouvez-vous nous parler de la situation actuelle ? Nous sommes confrontés à une crise de confiance qui menace de déstabiliser la globalité de la consommation et de l'économie. Le gouvernement met tout en œuvre pour rassurer les consommateurs en trouvant l'origine de cette épidémie. Je peux d'ores et déjà affirmer que plus de 250 produits ont été testés et approuvés par les services de santé et que la fin de la crise est proche. Les consommateurs ne doivent pas oublier que le gouvernement veut leur bien et qu'il faut faire ce que dit le gouvernement. Oui, en ski, on dit que certains légumes pourraient être vecteurs, notamment les concombres. Écoutez, Joséphine Lepinsec, les concombres ont été entièrement disculpé par l'agence sanitaire du gouvernement. N'oubliez pas, vous devez toujours faire confiance au gouvernement. Et pour ce qui concerne les produits d'entretien courants comme les solvants ou la peinture... Je peux personnellement vous affirmer qu'aucun de vos produits d'entretien favoris ne présente de risque. Vous devez faire confiance au gouvernement. Il faut absolument continuer à consommer. On a entendu que les aliments porcins étaient particulièrement virulents. Est-ce que nos amis les bêtes sont susceptibles d'être contaminés ou... Je m'engage personnellement à garantir la sécurité de nos compagnons à quatre... Oui, un problème technique ? Encore ? Alors, donc, écoutons donc ce que nous a dit le ministre. Ne pas s'inquiéter, surtout suivre le gouvernement, faire confiance au gouvernement. Voilà des paroles très rassurantes. C'est ça. C'est direct. par rapport aux concombres, c'est très bien de savoir que tout ça peut s'arrêter du jour au lendemain. On peut arrêter donc de boycotter les concombres. Hein. C'est terminé tout ça. On peut retenir chez le fruitier. Et sinon, on me fait quelques signes, non ? Ne te dure pas. Et alors par rapport aux produits d'entretien qui sont très courants chez nous, les femmes, surtout, enfin les hommes aussi, parce qu'on est dans une société pas du tout féministe, plus du tout asservie. Et donc voilà, donc les produits d'entretien, c'est très bien hein, qu'on puisse les utiliser comme ça sans s'inquiéter, même pour les enfants, c'est plus pratique. Toujours faire attention quand même pour les enfants, hein, ne pas les... Voilà, donc voilà, c'est ça.